Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 qui va vous permettre d'XP très facilement et très rapidement en illimité. Alors pour ce faire, vous allez devoir vous rendre dans le menu créatif, donc dans le mode créatif, voilà, dans l'accueil où je suis. Ensuite, dans sur le pad de gauche, vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 151850274768. Voilà, ensuite vous validez et vous acceptez. Maintenant, dans le deuxième pad, vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 4 1 8 6 0 2 0 1 8 9 8 4. Donc notez bien ce code dans le pad de droite, hein. Donc faites exactement comme moi je le fais dans le gameplay. Et petite information supplémentaire, les codes des deux maps seront en description et en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Alors là, vous rentrez dans la map de gauche. Donc dans la map God Mode, vous attendez que la partie se lance et vous allez récupérer deux objets que je vais vous dire. Donc l'objet numéro 1, c'est les bonhommes furtifs et le deuxième, c'est les poissons ombres. Ensuite, vous passez dans la faille God Mode comme je le fais dans le gameplay. Là, ça va vous renvoyer dans l'accueil principal, enfin dans l'accueil du menu créatif, dans l'accueil du mode créatif plutôt. Et vous allez pouvoir voler à ce moment-là. Regardez, quand vous appuyez deux fois sur X, vous pouvez voler grâce au God Mode. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire, enfin ce que vous devez faire, c'est aller au-dessus de cette map. Donc la deuxième map que vous avez rentré le code. Vous montez et vous passez au-dessus de la map et vous continuez tout droit, tout droit, tout droit. À un moment, vous allez heurter un mur orange, un mur invisible orange comme moi j'ai eu. Ensuite, vous montez pour passer au-dessus du mur orange. Et là, regardez, en haut à droite, on peut voir que je continue à avancer. Donc, ça veut dire que j'ai bien passé le mur orange. Alors, quand ceci est fait, vous allez continuer à avancer tout droit, jusqu'à temps de voir une île apparaître. Donc, essayez de vous repérer avec les montagnes qui sont là-bas, là. Non, attends. Voilà, les montagnes qui sont là-bas pour essayer de retrouver cette île. Alors, quand vous êtes dans cette île, visez les carrés verts ici. Ensuite, vous continuez. Là, vous allez mettre un ping. Et ensuite, vous allez utiliser votre poisson ombre. Hop, comme ceci. Et vous allez passer à travers ce mur. Voilà, parfait. Ensuite, vous allez remonter vers le truc en haut avec les deux petites flèches. Voilà, comme ceci. Et là, vous allez essayer de passer à travers le mur, mais que votre ombre soit à moitié dans le sol. Enfin, dans le plafond. Regardez. Hop. Donc là, on voit pas que je suis à moitié dans le plafond. Donc je vais recommencer. Mais là, ça aurait fonctionné. Hein. Si j'aurais enlevé mon ombre, ça aurait fonctionné. Mais j'aimerais bien que vous voyez exactement ce que je veux vous dire. Donc hop. Donc là, on voit toujours pas. Hop, on va recommencer. Ok, voilà. Là, vous voyez mon ombre. Elle est à moitié dans le sol ou dans le plafond, comme vous voulez. Et là, ce que vous faites, c'est que vous enlevez votre ombre et ça va détruire le carré. Quand vous avez détruit le carré, vous allez lancer un et deux bonhommes de neige sur le toit. Ensuite, vous allez prendre un des deux bonhommes de neige. Vous volez toujours hein, avec votre téléphone. Ensuite, vous cherchez l'emplacement que je suis en train d'aller. Voilà, vous allez près des deux failles. Vous voyez, il y a deux failles. Il faut vraiment, mais vraiment bien placer le bonhomme de neige entre les deux failles. Donc voilà, plus ou moins comme ça. Ensuite, vous appuyez sur carré pour lâcher le bonhomme de neige. Voilà, parfait. Et là, par sécurité, vous allez chercher un deuxième bonhomme de neige. Moi, c'est ce que je fais par sécurité, pour être sûr que j'ai bien placé, au cas où j'aurais mal placé le petit bonhomme de neige. Et là, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement me replacer au-dessus de l'autre bonhomme de neige. Voilà, plus ou moins comme ceci. Et je vais lâcher le deuxième bonhomme de neige. Voilà, comme ça, ils sont tous les deux un sur l'autre. Alors maintenant, vous allez déposer vos poissons en face des bonhommes de neige, vraiment au même emplacement que je les pose. Hein, parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc, vous les déposez là. Et ensuite, vous appuyez sur Option. Vous allez dans Menu et vous faites Réapparaître, Triangle pour accepter. Vous appuyez deux fois sur Rond pour enlever le menu Pause. Vous attendez de réapparaître. Ensuite, vous appuyez sur Option. Vous allez dans Menu et vous allez lancer le jeu pour ne pas attendre les 85 secondes.
Donc là, vous attendez que le jeu se lance. Quand le jeu se lance, vous reprenez votre poisson. Et très, très, très important, n'allez surtout pas près des bonhommes de neige parce qu'il y a une plaque de réapparition. Si vous prenez la plaque de réapparition, ça ne fonctionnera pas. Le glitch ne fonctionnera pas. Alors regardez, là, je ne vois plus mon ping. Donc c'est possible que parfois le ping disparaisse. Donc si le ping disparaisse, c'est pas grave. Vous allez vous laisser tomber vers le chrono, comme je le fais, voilà. Et votre ping normalement est par là. Mais je sais pas pourquoi, parfois il disparaît. Donc là ensuite, vous allez prendre votre poisson ombre, vous allez le manger et vous allez vous diriger vers votre ping. Bon, si vous l'avez toujours de disponible, tant mieux. Sinon, vous faites comme moi, vous vous dirigez vers le mur qui est juste là, à gauche. Là, vous essayez de passer à travers le mur. Alors, très important, quand vous êtes collé, vous ne pouvez pas passer à travers. Donc, reculez un petit peu et puis appuyez sur L1 pour traverser. Alors ensuite, vous montez jusqu'en haut. Voilà. Et là, vous allez passer dans cette box que vous voyez. Alors, regardez, il y a un carré blanc. Ça veut dire que c'est la bonne box. Donc, voilà, hop. Quand vous êtes passé dans la box, ce que vous faites, c'est que vous enlevez votre ombre. Et là, vous allez appuyer sur carré pour gagner des XP. Donc là, regardez, j'ai mal placé mes bonhommes de neige. Donc, je vais devoir recommencer. À mon avis, attendez, peut-être que si je le place plus ou moins par ici, ça va fonctionner. Ben non, ça fonctionnera pas parce que j'ai utilisé la plaque de réapparition. Mais on va quand même réessayer. Mais je pense que j'ai mal placé les bonhommes de neige. Donc, on va quand même réessayer. Et si ça marche pas, ben je recommencerai tout le glitch. Ok, donc testons. Ok, là c'est bon. J'ai déplacé le bonhomme de neige et ça a fonctionné. Alors j'ai fait un autre truc aussi important. Peut-être que c'est ça qui a joué. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé par le côté gauche et pas par le dessous. Parce que juste avant, j'étais passé par le dessous avec mon ombre. Pour rejoindre cette pièce, je suis passé par le dessous. Donc n'essayez pas de passer par le dessous. Essayez de passer vraiment vers ce côté-là de la porte. Parce que peut-être que c'est ça aussi qui a fait j'ai réapparu. Mais bon, ou alors c'est peut-être le bonhomme de neige que j'avais bien placé. En tous les cas, quand vous allez vous mettre ici et que vous allez spammer carré, vous allez gagner énormément d'XP très facilement et très rapidement. Plus ou moins... Bon, regardez là, j'ai fait... Allez, je fais... en 10 secondes, j'ai fait 500 XP. Alors, il faut savoir que moi, j'ai fait 500 XP en 10 secondes, mais vous pouvez gagner genre 2000, 3000, 5000, 10 000 XP. C'est complètement aléatoire. Il y a des gens, ils vont même pas gagner d'XP. Ils vont gagner 1, 2, 3, 4, 5, 10 XP. Ils vont gagner moins d'XP que moi. Mais il y a des personnes qui vont gagner beaucoup plus d'XP que moi. Donc, c'est totalement random. Bien entendu, si vous voulez savoir combien d'XP vous allez gagner, ben, vous essayez. Et si vous voyez que vous gagnez beaucoup d'XP, ben, tant mieux pour vous. Si vous gagnez pas beaucoup d'XP, ben, tant pis pour vous. Alors, il y a une autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que Fortnite a mis un plafond d'XP en mode créatif de plus ou moins 4 niveaux par jour sur l'XP de tous les joueurs en mode créatif. Donc, bien entendu, c'est temporaire et c'est uniquement dans le mode créatif. Dans le Battle Royale, vous gagnez vos XP en illimité, autant de niveaux que vous voulez. Mais en mode créatif, apparemment, ils ont mis un plafond qui fait en sorte de ne que après 4 niveaux, on ne peut plus gagner d'XP. Voilà, on ne peut plus gagner d'XP, c'est surtout pour pas que les gens abusent des glitches sur le mode créatif. Donc, bien entendu, c'est temporaire, ils vont permettre plus tard de gagner autant de niveaux qu'on veut dans le mode XP. Mais là, ils sont en train de travailler sur les glitches et tout ça. Donc voilà, ils ont mis un petit plafond. Alors cependant, ce plafond n'est pas disponible chez tout le monde parce qu'il y a des personnes qui vont gagner 100 niveaux en un jour. J'ai une pote qui a gagné 200 niveaux en 2 heures. Donc voilà, c'était un putain de glitch. Elle a gagné 100 000 XP par minute et elle a atteint le niveau 200 en 2 heures. Voilà. Elle n'a pas été plafonnée par Fortnite. Je sais pas pourquoi ni comment ça se fait. Il y a des joueurs qui gagnent beaucoup plus de niveaux que 4 niveaux. Donc voilà, c'est un peu aléatoire aussi. Et j'ai une dernière chose à vous dire, une information qui vient d'un Américain. Je sais plus trop comment il s'appelle. Je le mettrai en description si j'ai le temps et si j'oublie pas. Il a mis un texte que Johnny34 m'a fait parvenir en expliquant que si maintenant vous gagnez moins d'XP dans une map, c'est tout simplement parce que, en fait, quand le créateur crée une map d'XP sur Fortnite et qu'il va dire, par exemple, chaque bouton que vous allez appuyer, ça va vous rapporter 20 000 XP,
Et ben en fait, le système de Fortnite fait en sorte que s'il y a deux joueurs sur la même map qui font le même truc, enfin sur deux maps différents, hein, sur deux serveurs différents, mais c'est la même map, ils sont en train tous les deux de le faire, chacun chez soi, et ils appuient tous les deux sur le bouton, et ben en fait, ils vont gagner pas 20 000 XP, mais ils vont peut-être gagner 19 500 XP. Voilà, ils vont perdre, il y a une diminution des XP s'il y a trop de joueurs sur la même map qui font la même chose. Alors c'est une explication qui me semble plausible. Après, je ne sais pas si c'est la réelle explication, mais je pense que oui. Et c'est pour ça que dans certaines maps d'XP, l'XP diminue, et dans d'autres maps, l'XP augmente. Donc voilà, c'est une question de chance. S'il y a beaucoup de personnes qui font la même map que vous et qui fait le même glitch que vous, eh ben c'est possible que vous gagnez moins d'XP. Et genre 2-3 heures plus tard, vous refaites le glitch. Et là, il y a pas beaucoup de monde qui font le glitch. Et là, vous allez gagner beaucoup plus d'XP. Donc voilà, c'est complètement un peu random. C'est un peu aléatoire. C'est un peu au bonheur de la chance. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec. Et ciao, peace.